À 20h, François Mitterrand s'adresse aux Français. Les résolutions adoptées par les Nations Unies que nous avons votées représentent à mes yeux la garantie suprême d'un ordre mondial fondé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. De ce droit, nous avons le plus grand besoin. Nos libertés, notre indépendance, notre sécurité sont à ce prix. Il faut que vous en soyez sûrs. Protégez le droit dans le Golfe, au Moyen-Orient, aussi loin de nous qu'il semble sur une carte de géographie, c'est protéger notre pays. Ne laissons jamais à la loi du plus fort le soin de gouverner le monde. Un jour ou l'autre, elle s'installerait chez nous. Or, depuis ce matin, la crise internationale est entrée dans une phase décisive. Depuis ce matin, le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. 17 janvier, Arabie Saoudite, base aérienne de Dharan. À 1h40 heure locale, c'est la première mission sur l'Irak. Les pilotes allument les turbines de leurs chasseurs-bombardiers F-15, F-16 et Tornado. Sous ses ailes, chaque appareil emporte plus de 12 tonnes de bombes. Les cibles ont été soigneusement repérées. Outre le palais présidentiel de Saddam, les centrales nucléaires, les usines chimiques, les centres de communication et les sites de lancement de missiles Scud. Objectifs qui, pour la plupart, sont concentrés sur Bagdad et sa banlieue. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. 2 heures. Au large des côtes irakiennes, la flotte US lance des salves de missiles de croisière, les fameux Tomahawks. J'ai une communication du président à vous transmettre. La libération du Koweït a commencé. 2h40, à Bagdad, les batteries anti-aériennes déclenchent un feu d'enfer. C'est la panique. Les bombes à guidage laser larguées par les bombardiers US atteignent leur cible avec une précision qualifiée de chirurgicale. Un pilote US de retour de mission témoigne. C'était l'une des démonstrations de feux d'artifice les plus étonnantes depuis les fêtes du 4 juillet, il y a des années et des années. C'était fantastique, Bagdad était illuminé comme un arbre de Noël. Les Américains ont constaté au cours de cette nuit que tous les objectifs qu'ils avaient prévus avaient été attaqués, qu'à peu près 80% ont été effectivement détruits, et surtout que tout le monde était rentré. Et ce sentiment d'euphorie que l'on a beaucoup critiqué chez les Américains s'explique très clairement par le fait que, à la fin de cette nuit-là, ils ont compris qu'ils allaient gagner la guerre sans problème majeur. Et comment expliquer ce succès ? Je crois que l'essentiel, ce sont les satellites. Les satellites donnent des renseignements extraordinairement précis, virgule, dans les pays où il fait beau. En Irak, il fait quand même suffisamment beau pour que l'on sache à peu près ce qui se passe. Est-ce que les Américains ont lancé le nouveau satellite d'observation Bien sûr. Alors, enfin, ils ont changé les orbites de façon à ce qu'il y ait le taux de passage suffisant aux différentes heures du jour et de la nuit. Et ils ont des possibilités qui sont effectivement excellentes dans ce domaine. Il n'y a pas eu besoin d'envoyer des avions de reconnaissance, il n'y a pas eu besoin d'envoyer des équipes de renseignement. Quand on voit très bien, vu du ciel, tout ce qui se passe, très bien, il n'y avait plus qu'à frapper aux endroits prévus. Mais l'essentiel des objectifs était certainement prévu depuis plus de 2 mois. 3h30 du matin, sur la base aérienne d'El Assa, nous sommes toujours le 17 janvier. Les forces aériennes françaises relèvent maintenant du commandement américain. Leur rôle est bien défini, bombarder à l'aube la base aérienne d'Al-Jaber au Koweït. Pour cette première mission française, 12 Jaguars sont armés. Des missiles à guidage laser et des bombes de 250 kg sont fixées sous les ailes.
5 heures, dernier briefing. Le plan d'attaque a été minutieusement étudié. Chaque pilote connaît sa cible avec exactitude. Grâce aux photos satellites, on sait qu'Al Jaber, l'aéroport de Kuwait City, transformé par les Irakiens, est devenu la plus importante base aérienne irakienne au Koweït. Tout le monde a son mic. Ces hommes, aguerris par plusieurs missions opérationnelles au Tchad, savent qu'ils auront affaire à une défense anti-aérienne importante. L'attaque se fera à basse altitude. Avant de décoller, chaque pilote vérifie lui-même son avion. Mission accomplie, mais dur baptême du feu pour les Jaguars français. 4 avions ont été touchés et 2 d'entre eux, réacteurs en feu, ont dû atterrir en catastrophe sur une base américaine. Un des pilotes, dont la verrière a été atteinte, est légèrement blessé. Dès l'atterrissage, les techniciens au sol se précipitent en tenue NBC. Lors des bombardements à très basse altitude, une contamination chimique est toujours possible. Les appareils endommagés sont aussitôt remis en état pour la prochaine mission. La,
la bombe guidée laser que les Jaguars emportent, comme les missiles guidés laser que les Jaguars ont sous leurs ailes, sont des armes extraordinairement précises, parfaitement intelligentes, avec des puissances de pénétration exceptionnelles. Une bombe intelligente, c'est une bombe qui, au lieu de tomber bêtement en suivant la loi de la chute des corps, les lois balistiques, est une bombe qui repère son objectif et se guide dessus. Là, c'est une bombe qui n'est pas inerte. En gros, le pilote voit sur son écran de télévision à grande distance l'objectif, il dit à sa caméra de rester asservi sur l'objectif, il dit, ça c'est ce qu'on appelle la corrélation d'image. Et donc, même si l'avion évolue, la caméra reste centrée sur le point qu'a désigné le pilote. Après ça, on dit au rayon laser de rester asservi à l'axe de la caméra. Puis après ça, on dit à la bombe de rester asservi à l'illumination laser sur le sol. L'AS-30 guidé laser a une précision de vraiment de quelques mètres, voire moins, c'est vraiment de l'ordre du mètre, avec des capacités de pénétration véritablement exceptionnelles. Il dépasse 2 mètres de béton. Le missile traverse 2 mètres de béton et explose après. Jihad, la guerre sainte. Dans tout le Maghreb, l'annonce du déclenchement de l'opération Tempête du désert soulève l'indignation et la fureur. En Algérie, des centaines de volontaires se présentent pour lutter aux côtés de Saddam Hussein. La haine de l'Occident monte. Pour rallier à lui le monde arabe et faire basculer les alliances, Saddam tente de présenter la guerre comme une guerre du monde musulman contre les impies américains associés aux juifs. Il déclare que sa première riposte sera sur l'État d'Israël, pourtant non belligérant. Je ne comprends pas pourquoi ce type veut nous tuer, pourquoi il nous envoie des missiles pour prendre nos vies. Nous, on veut la paix. En Israël, c'est la panique, la peur d'une attaque chimique. Des consignes de sécurité sont données à la population, des masques à gaz sont distribués. Les masques sont là et on est prêt à bondir, à fermer la porte, mettre le tape et mettre les masques tout de suite, d'urgence. Donc on a la radio en permanence, comme ça, cette espèce de fond sonore qui est quand même assez obsédant. Et voilà, et si on dort, il y en a un qui se met sur la chaise, qui écoute pendant que l'autre dort. On fait ça, on fait des tours de garde. À mon avis, les armes chimiques, et je sais que j'ai énormément de mal à convaincre, sont des armes extrêmement peu efficaces face à des gens tant soit peu protégés. Autrement dit, les Israéliens qui sont chez eux n'ont absolument pas vocation à avoir des pertes en cas d'attaque chimique. Quand on est dans un espace clos, déjà on est considérablement protégé. Parce que ces actions chimiques ne durent pas. Tout est dispersé par le vent assez rapidement. Et face aux militaires, ça va être pareil. Si on lance des produits chimiques contre des militaires qui ont des combinaisons adaptées et des masques à gaz, ils ne risquent rien. À l'alerte gouttelette, je vous rappelle ce qu'il faut faire. Vous mettez dos au vent. Vous enlevez votre casque. Vous posez votre arme au sol. Vous retirez votre ANP. Vous le mettez, vous rabattez l'hybride. Vous penchez en avant, vous déroulez la capuche avec les pouces à l'intérieur, vous la rabattez sur les viseurs de l'ANP. À ce moment-là, vous levez la tête, vous prenez le velcro et vous le rattachez. À ce moment-là, vous êtes en niveau 2. Ensuite, vous prenez votre gant poudreur, vous l'ouvrez et vous commencez la décontamination de la tenue S3P. La capuche et toute la partie d'ouverture. Ensuite, vous décontaminez votre main gauche qui vous permettra d'ouvrir la tenue. Vous enlevez la capuche et vous commencez à vous décontaminer la nuque. Puis vous levez la tête. Vous faites tout le torse et toute la partie intérieure de la S3P qui est ouverte.
Vous ouvrez votre ANP, vous retirez les brides. Vous prenez une aspiration. Vous retirez l'ANP, vous vous décontaminez le visage. Vous retirez le toxique, vous faites l'intérieur de l'ANP. Ensuite, vous remettez l'ANP sur le visage. Vous refermez les brides. Et vous fermez à ce moment-là, avec votre camarade, l'ANP. Et vous fermez totalement votre tenue au niveau 2. À quoi sert cette tenue ? Elle sert principalement à se protéger dans l'immédiat, et après pouvoir sortir de la zone. Le combat s'est un peu arrêté en ce moment. Et vous pouvez la supporter longtemps ? Oui, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de pouvoir sortir de la zone. Une fois que la zone est... on est sorti de la zone, après on peut éventuellement quitter cette tenue sur ordre et se décontaminer dans une zone prévue pour cela. Votre sentiment personnel, est-ce que vous pensez être prêt éventuellement, si on redoutait le pire, en NBC ? Ben avec tout l'instruction qu'on a eue, on verra bien. Maître de Bagdad met ses menaces à exécution. Les scuds s'abattent sur l'État hébreu. Les sirènes retentissent dans tout le pays. Les programmes de radio et de télévision sont aussitôt interrompus. Terrible incertitude durant plusieurs heures. En fait, la charge était conventionnelle. J'étais en train de travailler quand j'ai entendu un énorme boom. Puis j'ai été blessé. Pourtant, j'étais dans un abri. Bien sûr que quand les sirènes vont recommencer, j'aurai très peur. Mais que voulez-vous, il faut bien continuer à vivre. Quand il y a eu la sirène, on a mis nos masques. Et puis toutes les vitres de l'abri ont explosé sous le choc. Après, on s'est sauvé dans la rue et on a vu que le missile était tombé en face. J'ai eu tellement peur que j'ai eu une crise de nerfs. Dharan, Arabie Saoudite. Même scénario, même panique. Mais là, les missiles antimissiles patriotes entrent en action. La charge explosive du SCUD est neutralisée, des débris retombent sur la ville. J'ai vu tomber deux morceaux. L'un est ici, près du parking, et l'autre là-bas. Et vous savez, dans la zone de l'autoroute qui va vers le port. Il n'y a pas de blessés ? Non, aucun blessé. À Washington, on redoute qu'une riposte des Israéliens élargisse le conflit. 24 heures après la première frappe sur Israël, les Américains installent des batteries de Patriot, une technologie de pointe née de la guerre des étoiles lancée par Ronald Reagan. L'ordinateur analyse à chaque instant la trajectoire du missile ennemi. À chaque instant, il nous indique par ordre d'efficacité croissante quels seront les meilleurs moments pour attaquer. Nous n'avons plus qu'à choisir. Est-ce que les recherches américaines faites pour le programme de guerre des étoiles ont servi pour l'élaboration des Patriotes, pour toute cette... Tout à fait. C'est ce point particulier où c'est le plus clair. Les Américains ont cherché à intercepter des têtes balistiques en commençant, dans un premier temps, en voulant faire des choses très compliquées dans les satellites qui doivent intercepter les missiles au moment du décollage. Tout ça, c'est bien, bien difficile. Et en fait, ils ont arrivé à réussir exclusivement dans un premier temps sur l'interception en phase finale, c'est-à-dire l'interception des missiles lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère et le Patriot
a été et est encore le premier missile opérationnel antimissile. C'est aussi manifestement une première. Et je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à un taux de réussite aussi bon dans cette interception de têtes balistiques comme les Scud par les Patriotes qui ont découvert là le feu. C'était quand des gens disent « mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui passent ?» Je leur dis « c'est quand même incroyable, comme toute autre réussite, de voir que nettement plus de la moitié sont interceptés. » 18 janvier, Pravji, sur la frontière koweïto-saoudienne. Depuis la veille au matin, la ville est abandonnée. Cible de l'artillerie irakienne, la grande raffinerie est en flammes. Dans les rues désertes, des Marines US patrouillent. Les bombardements alliés continuent avec la même intensité sur l'Irak et le Koweït. Tirs quotidiens de Tomahawks pour l'US Navy et plus de 2000 sorties par jour pour les avions de combat de la coalition. C'est au total 1400 avions de combat US du B-52 au F-117A invisible qui décollent de 30 bases en Arabie Saoudite, aux Émirats, en Égypte, en Turquie, à Chypre, dans l'océan Indien et de 6 porte-avions en mer Rouge et dans le Golfe. 10 000 tonnes de bombes toutes les 24 heures, l'équivalent de ce que les Allemands recevaient en 15 jours durant la Seconde Guerre mondiale. L'offensive aérienne, c'est la clé de toutes les opérations. De son succès dépendent l'ampleur et le principe même de l'offensive terrestre. L'attaque aérienne de la coalition est organisée en 4 phases distinctes et les objectifs sont déterminés suivant une stratégie militaire très précise. Dans un premier temps, il s'agit d'immobiliser l'aviation irakienne, de détruire les sites stratégiques. La deuxième phase s'attaque à l'infrastructure économique et militaire. La troisième consiste à écraser les lignes de ravitaillement et les dépôts de munitions des unités de combat. La dernière offensive sera pour les premières lignes de défense irakiennes avant l'assaut terrestre. Employée pour la première fois de façon intensive dans un conflit, une arme intelligente, le Tomahawk. Après un repérage par satellite, son ordinateur de bord est programmé et emmagasine toutes les données du relief sur la route vers la cible. Épousant les courbes du terrain, il sait où trouver son objectif et il l'atteint avec une précision extraordinaire. Je crois qu'il y a un des points essentiels dont on ne parle peut-être pas assez, c'est l'efficacité de ces missiles de croisière. De ces missiles de croisière qui ont permis la toute première vague sans risquer la vie de pilote. Vous avez des missiles qui sont extrêmement puissants, incroyablement précis, qui manœuvre avec beaucoup d'efficacité. Il y a un journaliste qui expliquait un jour, qui était à Bagdad encore à ce moment-là, qui a vu arriver un missile de croisière. Et il a vu arriver, il a vu prendre le virage à 90 degrés, s'enfiler sur l'avenue, et il a dit, c'est tout juste, il s'est pas arrêté au feu rouge. C'est une précision absolument diabolique. Le truc est parfaitement préparé, recalé, et ça va percuter exactement le point que l'on souhaite. Ce qui est important, c'est ça. C'est que, d'une part, au point de vue psychologique, quand on voit une bombe qui tombe pile sur le bâtiment des postes et pas à côté, quand on voit une caserne en pleine ville qui est détruite et les maisons d'à côté qui ne le sont pas, bien sûr, il y a des bavures, bien sûr, il y a quelques dizaines, peut-être quelques centaines de civils tués, mais très peu. Et psychologiquement, on comprend qu'on n'est pas dans la même cour de récréation et qu'on joue avec plus fort que soi. Et cette précision diabolique des armes américaines et alliées est manifestement psychologiquement très dure à supporter pour les troupes irakiennes. Tournée des popotes pour Saddam Hussein. Il remonte le moral de ses troupes, matraquées par les raids incessants de l'aviation alliée. Le 21 janvier, on dénombre 25 pilotes de la coalition tombés en mission. Placés sur les sites stratégiques, ils servent de boucliers humains. 6 d'entre eux sont exhibés aux yeux du monde entier,
Psychologiquement choqués, ils annonnent un texte de propagande pro-irakienne. Saddam Hussein a violé certaines conventions de Genève. Lesquelles ? Il a violé essentiellement plusieurs articles de la troisième convention de Genève, celle qui concerne les prisonniers de guerre, en exhibant les prisonniers et après un traitement qui visiblement a fait que les prisonniers ne semblent pas parler de leur plein gré. D'autre part, en envoyant des missiles d'une manière non discriminatoire, il semble avoir essentiellement voulu tirer sur des civils, alors que le droit de la guerre et surtout le droit humanitaire international interdisent de viser des objectifs qui visiblement ne sont pas militaires. Quel est le passé de Saddam Hussein ? Déjà, bon, il y a le problème des libérations, des échanges de prisonniers entre l'Iran et l'Irak, qui ne sont pas terminés, et deuxièmement, le problème des Kurdes. Ce n'est pas la première fois que Saddam Hussein viole les conventions de Genève. Lors du conflit Irak-Iran, par exemple, le respect des prisonniers, l'enregistrement des prisonniers, les échanges de prisonniers ne se sont pas faits comme ils auraient dû, et le CICR n'a même pas pu avoir accès à tous les camps de prisonniers et n'a pas pu enregistrer ni parler comme il le doit individuellement et sans témoin avec les prisonniers de guerre. 24 janvier, base d'Al-Assa. Après de nombreuses missions de bombardement sur le Koweït, deux par jour en moyenne, les pilotes français reçoivent cette fois l'ordre d'intervenir sur l'Irak. La cible, les unités mécanisées de la garde républicaine de l'armée irakienne. Les Mirage 2000 entrent en action. Leur fonction, neutraliser si besoin est les avions de chasse de Saddam. Pour l'instant, les pilotes de Bagdad sont restés invisibles. On peut toujours craindre une surprise. Peut-être qu'ils attendent un moment plus propice pour se mettre en l'air. Pour cette opération, les avions de combat Mirage F1 et Jaguar sont suivis au décollage par les appareils de supériorité aérienne Mirage 2000. L'éloignement de l'objectif à atteindre impose une logistique aérienne importante. Des avions ravitailleurs KC-135 sont envoyés de Riyad pour approvisionner en vol la vague d'assaut. Dans leur flanc, plus de 40 tonnes de kérosène. Les premiers bombardements des avions de la coalition se sont faits à moins de 100 mètres du sol. Dangereux pour la vie des pilotes, cette technique n'a plus aujourd'hui lieu d'être. Les missiles sol-air irakiens étant tous détruits, en altitude, plus rien à craindre. L'attaque se fera à distance. Ok, 01, bingo. Pour prévenir toute attaque des avions ennemis, à 9000 mètres au-dessus du territoire irakien, les chasseurs veillent. Depuis le début des hostilités, les pilotes de la coalition ont abattu 35 appareils en combat aérien. Profitant d'une faille dans le système aérien allié, une centaine d'appareils irakiens ont atterri en Iran. Le haut commandement américain se perd en conjectures sur la raison de ce départ. Stratégie de repli pour les meilleurs avions de combat irakiens.
ou désertion en masse. Retour de mission française. Soulagement pour les équipes au sol. Tous les avions sont revenus indemnes. Les bandes vidéo sorties des caméras automatiques sont aussitôt développées et analysées par les officiers de renseignement de l'armée de l'air. J'espère que mes bombes ont servi d'éclairage pour les Jaguars. J'aurais donné une indication en vol, j'espère que ça aurait été utile. C'est jamais la routine, hein, puisque c'est toujours une mission de guerre. Enfin, on prend un petit peu confiance quand même au fur et à mesure des missions qu'on effectue. Mais il faut rester toujours vigilant, bien sûr. J'ai l'impression à la fois de soulagement, de plaisir, c'est d'avoir fait son métier, c'est bien quoi. C'est difficile à dire, hein, c'est difficile à expliquer quoi. Ça vient d'assez loin quoi, comme impression. Voilà. On arrive à avoir des journées entières sans perte. C'est quand même assez incroyable quand on voit 2700 sorties et une perte. Enfin, c'est vraiment des taux qui sont presque assimilables au temps de paix. Quand en temps de paix, on a des accidents. Et là, on arrive presque à des taux à peine supérieurs au taux de perte de temps de paix. Donc on peut dire que l'aviation alliée se balade dans le ciel irakien. Il continue à faire très attention. Il y a toujours une grosse couverture aérienne avec des avions comme le Mirage 2000, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui a une grosse efficacité en défense aérienne. Donc les avions qui vont attaquer sont absolument assurés que personne ne viendra les attaquer eux-mêmes. Même si les pilotes irakiens réussissent à décoller, à chaque fois qu'ils décollent, ils se font intercepter avant même d'avoir vu le pilote américain. Les Américains ont la suprématie totale dans la détection, dans les moyens de commandement, de contrôle des opérations. Et les pauvres pilotes irakiens qui décollent, ils ont vocation à se faire abattre dès qu'ils se rapprochent des lignes. L'opération Tempête du désert est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Saddam nous a entraînés dans la guerre, nous irons jusqu'au bout et nous gagnerons. Notre stratégie à l'égard de l'armée irakienne au Koweït était simple, nous allons la couper puis nous allons...
À quelques kilomètres des Irakiens, sur la frontière irako-saoudienne, les 10 000 soldats français de l'opération Daguet établissent leur position de combat. Légionnaires, marsouins et artilleurs sont dans les sables du désert depuis septembre. Formés pour la plupart au combat en Centre-Europe, ils ont dû s'adapter au climat. Certains ont déjà l'expérience de ce type de terrain qu'ils ont connu en Afrique, mais les états-majors ont modifié leur tactique de combat à ces nouvelles conditions. Face aux 610 000 soldats alliés, leurs 1600 chars et leurs 350 hélicoptères de combat tueurs de chars, les 700 000 soldats irakiens. La défense irakienne, c'est une succession d'obstacles étalés sur 35 km en profondeur destinés à freiner la progression des chars. Des levées de sable et de rochers précèdent des fossés profonds de 3 à 6 mètres, puis des champs de mines protègent les chars et les fantassins fortement retranchés. Derrière, l'artillerie et les orgues de Staline sont chargés d'écraser les vagues d'assauts alliés. Au sein du dispositif français, se sont intégrées des unités d'artillerie américaine. C'est l'occasion pour ces troupes d'élite de fraterniser. Hello. 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 À la télévision irakienne, Saddam apparaît fatigué. Dans son bunker de commandement, à 40 mètres sous terre, il assiste impuissant au bombardement de ses troupes au Koweït. Depuis plus de 10 jours, bon nombre de ses combattants sont complètement coupés de l'arrière et des centaines d'entre eux ont déjà déserté. Sur ces images de la station soviétique Mir, prises 2 semaines après le début des combats, le Koweït. Dans le désert, des puits de pétrole sont en feu. Les pistes d'atterrissage de l'aéroport d'Al-Jaber à Koweït City, écrasées sous les bombes des Jaguars français, sont désertes. Le 25 janvier, le maître de Bagdad déclenche une catastrophe écologique majeure. Il fait ouvrir les vannes des principaux terminaux pétroliers koweïtis. Une marée noire se forme le long de l'Émirat occupé et de l'Arabie saoudite. L'Iran est également touché. Les usines de dessalement qui approvisionnent l'Arabie saoudite en eau potable sont menacées. La communauté internationale se mobilise. Cet épandage de pétrole, à mon sens, montre essentiellement que Saddam veut pousser les Américains à attaquer plus vite qu'ils ne le souhaitent. Il se dit, si je déclenche une catastrophe écologique, les Américains chercheront à arrêter cette catastrophe écologique, donc à arrêter cette fuite. Et donc pour cela, il va falloir qu'ils attaquent. Et là, je les attends avec des troupes qui ne sont pas encore complètement épuisées. Tandis que si on attend quelques semaines de plus, comme les Américains le souhaitent le faire, bien dans quelques semaines, ces troupes privées de ravitaillement, de support logistique, seront dans un état tel qu'au moment où les Américains arriveront, elles ne seront pas en état de s'y opposer. 26 janvier, 20h, à Tel Aviv, c'est le choc. Un scud irakien passe le barrage des Patriotes et tombe en plein quartier résidentiel. Au grand soulagement des Américains, Israël ne riposte toujours pas. On était dans la chambre, là. Je regardais la télé et tout d'un coup, il y a eu l'alarme. Mon mari a pris des gosses et puis moi, j'ai voulu mettre mes lunettes sur le lit puis j'ai pas eu le temps. Il y a eu le boom et puis je sais pas, j'ai pris pas mal de sable dans la bouche, tout ce qu'il y avait. Hein. Mais enfin,
On est là, on est vivant, hein. Il ne me reste plus rien, mais... Enfin, les gosses, mon mari, ça va, c'est tout. T'as pas la gueule. Surtout, on est là, là. 27 janvier, sur la frontière Koweïti. La coalition, c'est aussi les petits contingents, comme celui du Qatar. Ces hommes viennent d'un émirat du Golfe. Ils sont aujourd'hui stationnés à quelques kilomètres de la ville de Khafji, point de mire de l'artillerie irakienne depuis le début des hostilités. L'état-major des forces alliées a prévu de les engager aux côtés des Saoudiens dans les premiers combats terrestres. Politiquement, c'est aux forces arabes d'intervenir en premier. Vous pensez qu'une bataille de chars pourrait avoir lieu bientôt ? Non, répond le commandant. Ça peut prendre encore 3 ou 4 jours. Nous ne pourrons pas nous engager seuls dans une telle opération. Et cet affrontement vous paraît inévitable ? Il y aura vraiment bataille de chars ? Oui, et cela nous convient très bien. L'armée de l'émirat du Qatar, comme celle des Saoudiens et des Koweïtis, est équipée de matériel français. Ici, un char AMX-30. Ces soldats ont donc été formés en France. Ironie du sort et de l'histoire, ils avaient comme camarades de chambrée des soldats irakiens. On était ensemble à Rochefort, en France. Nous, avec les pilotes irakiens. On a fait le stage, on a fait le français, ensemble à Rochefort. Maintenant, nous sommes des ennemis. Et alors, on vit ça comment ? D'être l'ennemi aujourd'hui alors qu'on était amis hier ? On sait qu'on est irakien. On n'aime pas Saddam Hussein, mais on aime les peuples irakiens. On aime les pilotes, même les pilotes. Parce que nous sommes sûrs qu'ils sont obligés. Alerte. L'artillerie irakienne recommence à pilonner les lignes alliées. À tout hasard, les soldats se glissent dans les tranchées et enfilent leurs masques à gaz. Quelques minutes plus tard, tout est rentré dans l'ordre. Ça vous effraie pas, vous, la guerre ? Personne... On est obligé de faire la guerre. Elle nous a obligés. C'est Saddam Hussein qui vous oblige à faire la guerre ? Oui, oui. Parce qu'elle a... Elle a occupé le territoire koweïtien sans aucune raison. Hein. Aujourd'hui, peut-être demain ou dans quelques jours, vous allez... Au Koweït, j'espère. Hein. J'espère. Oh mon Dieu. Allah aura attendu quelques minutes ses prières du soir. Le front anti-irakien est constitué d'une force multinationale qui est aussi multiconfessionnelle. Aujourd'hui est que cette armée se décompose, voire se débarrasse elle-même du président Saddam Hussein. Et c'est quelque chose qu'il faut espérer profondément pour bien montrer que c'est le peuple irakien qui se rebelle contre Saddam Hussein. Et compte tenu de tous les ennuis que l'on peut prévoir, compte tenu des réactions des Maghrébins en particulier, désespérés, il faut bien qu'ils comprennent, et jusqu'à présent manifestement ils n'ont pas été informés dans ce sens, que le peuple irakien n'est pas du tout aussi favorable à Saddam Hussein qu'eux-mêmes, et que une période aussi longue de dictature féroce est manifestement quelque chose dont les Irakiens veulent se débarrasser, et en particulier l'armée irakienne qui a beaucoup souffert à chaque fois que quelqu'un, qu'un chef militaire ne plaisait pas à Saddam Hussein, il était assassiné éventuellement de la propre main du président Saddam Hussein. Quand les Maghrébins auront compris ça, je crois que le prestige de Saddam tombera. Et si c'est effectivement une division irakienne qui se rebelle et qui débarrasse l'Irak de Saddam Hussein, à ce moment-là, la guerre s'arrêtera tout de suite. Et c'est manifestement le cas le plus favorable. Là, dans un premier temps, il semblerait, on n'a pas de preuve absolue, mais qu'il est assez probable que Saddam a exécuté le patron de la défense aérienne et peut-être le patron de l'armée de l'air, il est évident que ça crée un malaise au sein de cette armée et que dans ces conditions-là, on a envie de s'en aller. 30 janvier, 8 h du matin.
Le cuirassé USS Wisconsin, le plus redoutable bâtiment de l'armada américaine, et son frère jumeau, le Missouri, pilonnent à coup d'obus de 406 mm les positions avancées irakiennes. Dans la nuit, les troupes de Bagdad ont franchi la frontière et investi la ville de Hawji, tenue par une poignée de soldats saoudiens. Aussitôt, les unités blindées saoudiennes, puis qataris remontent vers le nord. Ils vont tenter de repousser les envahisseurs irakiens. La première bataille terrestre a commencé plus tôt que prévu. Sur la route, les colonnes blindées qui reviennent du front croisent des unités qataris. La joie de ceux qui ont survécu et l'inquiétude de la relève. Les ambulances du Croissant Rouge transportent les blessés en catastrophe vers les hôpitaux de campagne en plein désert. Les cas les plus urgents sont évacués par hélicoptère. Pour eux, la guerre à peine commencée est déjà finie. Plus au sud, les bus réquisitionnés remontent vers Hawji, bondés de GIs qui viennent de débarquer. Ils savent qu'ils n'auront pas à attendre longtemps pour combattre les Irakiens. La mission des Tornados de la Royal Air Force est de pilonner les arrières ennemis en territoire koweïti. Des Marines crachent leurs obus sur la ville occupée. Bataille au sol, bataille aérienne. De là-haut, l'aviation alliée pilonne. Les blindés saoudiens encerclent les positions irakiennes appuyées par les hélicoptères de combat américains. Ils ont pour mission de détruire les T-55 irakiens. Avec le soutien des Américains, il faudra plus de 48 heures aux Saoudiens et aux Qataris pour reprendre la ville. Ces images, ce sont justement les soldats du Qatar qui les ont filmées. Avance prudente, car des tireurs isolés sont toujours présents. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, quand on voit les Irakiens qui vous tirent dessus? On a peur? Oui, on a peur parce que c'est une bataille, vraiment une bataille. C'est pas de tuerie ou n'importe quoi. C'est une bataille, vraiment une bataille. On regarde la mort devant nous. Vous avez vu la mort en face? Ah oui. Au début, on a regardé, on a dit normalement, pour nous, on commence par le nom de Dieu. On dit au commencement, toujours avec le nom de Dieu. Vous avez cru mourir? Ah oui. Pourquoi? Bah, si c'est un rond dans la guerre, oui. On croit ça. Très vite, les Irakiens auront compris que le bluff de leur attaque surprise était une erreur. Ils ne peuvent tenir face aux forces très puissantes qui convergent vers eux. Alors, beaucoup déposent les armes et se rendent. La stratégie militaire des Irakiens, c'est d'aller chercher des Kurdes au nord pour les envoyer se battre au sud. J'ai rencontré des Kurdes et d'autres Irakiens. Ils ne voulaient pas se battre et ils étaient prêts à se rendre à la première occasion.
Je leur ai demandé ce que leurs officiers leur disaient de la guerre. Ils m'ont répondu, ils disent heureux ceux qui pourront s'échapper. Selon Riyad, 23 soldats saoudiens sont morts pour défendre le royaume. Dans les rangs irakiens, 37 pertes et 550 prisonniers. Saddam vient de perdre sa première bataille terrestre. Cette première expérience de la guerre, ça vous laisse quel souvenir, quelle impression maintenant ? Quel souvenir, moi, quand j'ai vu les gens morts sur le territoire, alors c'est la guerre. La guerre, c'est toujours ça. Il n'y a pas de guerre propre. Quand on voit les copains, on peut l'appeler parce qu'ils sont arabes de toute façon, musulmans. C'est une guerre sale. La guerre n'est pas propre. Vous avez vu beaucoup de morts dans Rabat ? Oui, j'ai vu. C'est une chose terrible. Terrible.